Et puis autre festival, celui de la bande dessinée. Il a ouvert ses portes aujourd'hui au Hall Comminges de Colomiers. Frédéric Bézian est l'invité d'honneur au programme jusqu'à dimanche. Des bulles, bien sûr, sous toutes leurs formes, à travers des expositions, de la musique, des spectacles ou encore du cinéma. Marie Larpent nous en dit plus. Pluridisciplinarité, voici le ton donné à l'édition 2008 du Festival de la bande dessinée de Colomiers. Comme chaque année, les spécialistes de la bulle et du coup de crayon se retrouvent avec un regard, cette fois, tourné vers les autres arts. Les organisateurs insistent sur le soutien qu'ils apportent à la jeune création, comme cet artiste toulousain depuis 10 ans et qui, pour la première fois, se retrouve de l'autre côté du bureau des dédicaces. C'est assez étrange, c'est vrai, ça donne l'impression de côtoyer un monde qu'avant j'admirais, et voilà, donc bon, je ne le considère pas encore comme faisant partie de la famille de la BD parce que je débute, hein, je fais de la BD professionnellement que depuis un an à peu près, donc voilà, et la prochaine étape ça sera Angoulême. Le festival est un point de rencontre privilégié entre les auteurs, les producteurs et bien sûr les lecteurs. Les gens en fait s'arrêtent, ne connaissent pas, ils feuilletent, ils apprécient la bande dessinée, et puis ils commencent à parler un peu avec nous, et puis à en savoir un petit peu plus sur notre métier, tout ça. Donc c'est vraiment un contact intéressant et sympathique avec les lecteurs. Le festival de la bande dessinée, ce sont 3 jours de rire, de rêve ou de fantastique pour découvrir les nouveaux talents et redécouvrir ses classiques. Avant de refermer ce journal.